Au début, tu vois, quand le matin comme ça, j'aime bien prendre un râteau à feuilles pour me chauffer. Commencer tout de suite par quelque chose de délicat, tu sais, t'es là, t'as froid. Et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, quand t'as fait, je goûte trop chaud. Il y a à peu près maintenant 40 ans, j'ai fait la rencontre d'un de mes enseignants, professeur, lors de mes études techniques après un bac. Cet enseignant, c'est Gilles Clément, et c'est en partie suite à une invitation, il y a une quarantaine d'années, que j'ai décidé 2 ans plus tard d'acheter une toute petite maison pour m'installer en Creuse. En fait, c'est toujours intéressant de se poser la question, qu'est-ce qu'un jardin en fait? Un jardin, c'est tout de même un lieu entre l'homme et la nature. C'est-à-dire qu'on a tout de même ce besoin, à un moment donné, d'un tout petit peu d'ordre. Si j'étais un milieu naturel, je ne ferais rien. Donc je suis entre deux. Il y a tout de même ce... Voilà, le jardin, c'est... Je trouve que c'est vraiment un lieu qui permet de réunir. C'est un lieu de lien, en fait, entre la maison et ce qui est autour, quoi. L'environnement est peut-être urbain, hein. Là, ici, il est campagnard, il est agricole, avec des prés, etc., des bois. Et en même temps, donc, c'est un lien entre l'homme et la nature, quoi. En fait, la maison, c'est l'homme. C'est là que j'habite, c'est tout même le lieu dont on a besoin, quoi. Et en même temps, on a besoin de ce retour. La maison toute seule, c'est pas suffisant. Il y a un moment donné, on s'enferme dans une maison. Donc le jardin, c'est vraiment une sorte de... Alors, c'est pas moi qui l'ai dit depuis longtemps, hein, que ce soit des jardins baroques, des jardins... C'est toujours une sorte de discours entre l'homme et ce qui l'entoure, et son environnement, la nature, mais aussi ça peut être son environnement. Après, il y a la notion du temps, c'est mon jardin. Ce n'est pas un jardin que je présente comme le jardin d'un professionnel. C'est mon lieu d'habitation. Et donc j'y mets aussi un peu mes rêves. J'y mets peut-être des souvenirs de voyage parfois. J'y mets des envies de voyage. J'ai des bassins qui évoquent pour moi, par exemple, l'Andalousie. Dans une certaine partie du jardin, il y a un petit jardin surélevé. Il y a... Le jardin, c'est aussi un lieu de mythe. C'est un lieu où l'on disait... Le jardin, c'est un lien entre l'homme et la nature. C'est aussi... Le premier jardin, au fond, il n'est pas forcément concret, il n'est pas forcément planté. Je crois que le premier jardin, on l'imagine déjà quand on est enfant, dans ses jeux. Les petites filles jouent peut-être avec des poupées, les garçons avec des petites voitures ou des cubes. Et qu'est-ce que je faisais avec mon jeune frère quand on construisait des rêves? Et au fond, le jardin, plus tard, eh bien, je l'ai matérialisé par la plantation des végétaux, etc. Mais c'est du même ordre. Il y a à la fois du rêve, il y a aussi du jeu. Je retrouve parfois, je me dis, mais j'ai la chance, adulte, de continuer à jouer comme un enfant dans le jardin. Il y a des moments un peu plus difficiles, il y a des travaux un peu plus lourds que lors de mes rêves d'enfant, c'est évident. Mais c'est un peu de cet ordre-là. Enfin, c'est ce que j'ai gardé, en tout cas encore aujourd'hui, quand je travaille dans mon jardin. C'est un petit monde qui doit fonctionner sur lui-même, en fait. Donc, le souci est de garder un équilibre biologique et le plaisir. Le plaisir de voir, de temps en temps, quand on les surprend, des couleurs, circuler dans le jardin, des grenouilles, voir chaque printemps des tritons qui viennent dans les pièces d'eau. C'est merveilleux de voir naître dans l'eau toutes ces... Voilà, c'est la magie, quoi, la magie de la vie, tout simplement. L'idée que on est juste... On n'est pas propriétaire d'un lieu, on est gardien d'un lieu.
pourrais arrêter d'ouvrir le jardin aujourd'hui. Mais c'est, si je continue, c'est parce que j'aime ça. J'aime ces rencontres. Et des rencontres exceptionnelles comme celle-ci. Non, je plaisante pas. J'ai toujours un petit sourire comme ça, plaisantin, mais c'est une façon de parler. Mais non, non, c'est profond. C'est ce genre de rencontre qui n'aurait pas eu lieu autrement. Je ne sais pas si tu vas le mettre devant, mais ça peut être...